Et c'est le mode à tous, bienvenue pour une vidéo à 4 Angels. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite du Let's Play sur l'extension Road to Boruto, qui est l'extension donc de Naruto Ninja Storm 4, qui m'enseigne évidemment le fils de Naruto. Voilà, j'ai envie de le faire un petit peu, j'ai envie de le faire maintenant en tout cas, parce que comme il y a le manga Boruto qui débute, là je crois qu'ils en sont au deuxième épisode qui vient de sortir, donc voilà, je pense que c'est un bon moment pour le. Pour le placer dans la file d'actualité de la Chine. Voilà, comme ça touche un petit peu. Non, c'était pas ça que je voulais faire. Hop là, tiens, profitez. Un kunai en or. C'est quoi ça, Amagaku? Ok, ok. Non, c'est là. Faut rentrer inter, je crois. Oh la tête! Oula! Il fait flipper lui. Il en veut à son père, hein, putain. Ah, c'est faire réfléchir. Hein. Est-ce que si les 300 pas inscrits ça, vous pouvez le laisser tranquille au moins aujourd'hui. Seigneur sert sa sœur. M5 c'est quoi alors? Faut qu'on aille. C'est pas là. Avec les secondaires, j'en ai pas. L'âge de Konoha, donc faut que je descende là, tac tac, tout en bas, hop. Et à gauche.
La cafétéria de Konoha. Il remonte, hop là. C'est quoi ça dure? Ah, c'est point de sauvegarde. Bah nickel. Je pensais me demander en fait où c'était. Ou si c'était une sauvegarde automatique. Sinon, j'ai commencé à m'inquiéter un peu. Je crois que c'est. Hop là, je suis allé trop loin. Je crois qu'il faut passer par devant, par la façade. Là. Sérieusement. Je le comprends honnêtement là, c'est moi ça me dégoûte pour lui hein. J'adore la tronche. Vraiment honnêtement, ils font de ces tronches, moi je peux pas m'empêcher de rigoler. En plus je suis pompe publique alors je rigole facilement. Mais alors là honnêtement, trop cool quoi. Et on va faire pareil, on va foncer au château.
Nouvelle mémoire a été débloquée. C'est quoi? Konomaru a été vu dans la rue devant la maison de Tsumaki. Il avait l'air de chercher quelqu'un. Eh bah, tu sais quoi? Tant mieux pour toi. Ah, mais mal entendu, tant mieux pour lui. Nous on fonce pour la, juste faire la principale. Sérieusement? Sans technique, c'est rien du tout, tu essaies d'attaquer directement directement Sasuke quoi. Motiver le gars. C'est fort puisque dès que vous passez dans leur dos, ils, hop, automatiquement ils foncent, ils font un dash en arrière. C'est vrai qu'ils sont quand même assez doués, l'IA elle est vraiment pas mal du tout. Ah, pas mal. Tiens, tu voulais une prise, tiens. Non, j'ai. Putain, pour moi j'étais sûr de la fin de substitution, mais même pas. Donc en fait c'est juste regarde-moi papa, je crois que les puissances interdites libérées. Je suis pas le plus grand doué en hein, maîtrise Naruto, enfin dans le jeu en tout cas Naruto, mais en tout cas j'ai toujours bien aimé cette série.
Sarada avec son père. Ah d'accord, on slash en fait entre tous les personnages. Ok. Maintenant on va faire un petit point de sauvegarde et on va s'en arrêter là pour cette vidéo. En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde!